Oh, encore un. Ah, décidément, ça reviendra jamais, hein. Les introductions au jeu, ce qui te donne envie de jouer. Savez quoi, je crois que je vais. Ça va faire un gimmick, ça. Ça, honnêtement, je pense que je vais le dire pour absolument tous les jeux qui sont comme ça. Arrêtez de mettre juste l'écran titre, je veux dire, c'est d'un triste. Je trouve ça vraiment d'un triste, les jeux qui ne mettent pas, qui ne mettent pas d'introduction comme à l'époque, tu vois, des trucs qui te donnaient envie de jouer, merde. Il n'y a pas ça maintenant, c'est tu lances le jeu, il y a l'écran titre, t'appuies sur A et allez jouer. Moi, je trouve ça dommage, on perd un peu. On perd quelque chose. On perd quelque chose. Enfin bon, bien le bonjour tout le monde. Salut les gars, ici 69 Zelos. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. The Gameplay, une découverte. Vu qu'aujourd'hui on s'attaque sur Quantum Break. Alors, je ne pense pas. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. Peut-être le 5, peut-être le 6, peut-être le 7, mais c'est dans ces eaux-là. Ça va faire un petit peu d'ombre à mon test de Mario Party, mais bon. Je voulais quand même faire une vidéo découverte de ce jeu, donc Quantum Break, qui m'inspire, on va dire, la méfiance, entre guillemets. Parce qu'il y a des trucs sur lesquels je suis assez méfiant, notamment le parti pris de faire une véritable série avec ce jeu, avec de vrais acteurs, hein, d'après ce que j'ai pu voir. Mais, eh bien, d'un autre côté, ça m'intéresse quand même parce que, comme vous le savez sûrement, ce jeu a été développé par le studio Remedy. Et qui ont fait Remedy? Qui ont fait? Eh bien, ce sont eux qui ont fait tout simplement Alan Wake. Et Alan Wake, je vous ai déjà fait une review dessus la semaine dernière, je crois, et c'était, en gros, c'était un jeu qui, pour ma part, était vraiment très intéressant, très sympa à suivre. Mais qui malheureusement était un petit peu, voire même beaucoup, redondant au niveau de son gameplay. Et ça, c'était la chose que je vous avais sortie dans la review. J'espère qu'avec ce Quantum Break, on aura enfin les deux. Les deux alliés, à savoir un très bon gameplay et une très bonne histoire. Pour ce qui est de l'histoire, je pense qu'à mon avis, ça peut être vraiment intéressant et j'ai pas mal d'espoir là-dessus. Pour le gameplay, bah j'ai également de l'espoir aussi, figurez-vous. Ouais, je ne sais pas. J'ai beau râler parce que là on se retrouve devant un écran titre dégueulasse, il faut quand même se le dire, hein. Je veux dire fond noir, Quantum Break, amuse-toi Janine. J'ai du mal, mais bon, j'ai quand même beaucoup d'espoir pour ce jeu. Pas énormément d'attentes non plus, mais j'ai quand même beaucoup d'espoir, je pense que je vais passer un bon moment avec les valeurs sûres qu'il y a derrière. Et pour ce qui est du gameplay, bah, tout est à faire, j'ai envie de dire. Tout est à faire, et il y a surtout un point du gameplay qui a l'air vraiment très intéressant, que l'on va voir tout de suite. Donc appuyez sur A pour pouvoir jouer. Allons-y, donc. Régler la luminosité. Régler la luminosité pour que le logo de gauche soit visible. Ça, il faut que je voie. Ouais, faut que je regarde sur la capture. Ouais, ça m'a l'air bien sur la capture comme ça. Ouais, ça m'a l'air parfait. Allez, hop. On part. On s'enfuit. La série Quantum Break vous permet de savoir ce qui se trame au sein de Monarch Solutions. D'accord. Tous les choix que vous faites ont un impact sur l'avenir. Ah, effectivement, si jamais c'est quelque chose d'intéressant, si jamais c'est quelque chose de bien fait, ça peut vraiment être intéressant. À l'inverse de certains, genre Heavy Rain ou alors d'autres jeux de ce style, n'ont pas vraiment de véritable impact, on va dire, sur l'histoire. C'est juste des Bah, j'ai envie de te dire, c'est juste des couloirs scénaristiques, quoi. Je veux dire, dans Heavy Rain, dans Beyond Two Souls. Pour ma part, j'ai beaucoup de mal à voir ça comme des espèces d'histoires alternatives. Je veux dire, parce que moi, ce que je vois, c'est encore une fois, c'est un couloir. Ni plus, ni moins. Enfin bon, on va voir vite fait côté des options divers. Qu'est-ce donc? Ah non,
Afficher didacticiel, bah oui, en premier. Sensibilité du viseur, on va laisser à 50 pour l'instant. Aide à la visée. Ouf. On va mettre faible au départ pour voir à quoi ça ressemble. Aide au pouvoir temporel, si vous souhaitez l'aide pour diriger vos pouvoirs. On va mettre oui pour l'instant, après on verra. Vibration, on s'en fout. Donc, commande... bouclier, ou bouclier de fou qui se dit bouclier, pourquoi pas. Ça on verra ça plus tard. 100 langue du texte français, langue française. C'est cool ça, mais désactiver la musique. Qu'est-ce que c'est que ça, désactiver la musique protégée? Idéal si vous faites du streaming. What? Oh, c'est la première fois que je vois ça. Ouais. Putain, je sais pas vous. Désactiver la musique protégée. Eh ben, dis donc. Alors là, j'ai. Là, je suis désolé. On va rester sur cet écran parce que c'est quand même assez intéressant. C'est bien parce que ça montre quand même que les développeurs vivent au jour le jour. C'est-à-dire, ils ne vivent pas dans le passé comme certains studios japonais. Ils savent que énormément de gens font du stream et font des vidéos sur YouTube, donc ils proposent ça. C'est bien. Maintenant, Remedy, je trouve que ça aurait pu être mieux, justement, de faire en sorte que l'on puisse laisser les musiques et en même temps avoir la possibilité de streamer. Non, parce que sans vouloir, je veux dire, la musique, encore une fois, ça fait partie de quelque chose. Ça fait partie intégrante du jeu en ce qui me concerne, moi. Ça me gonflerait de devoir désactiver la musique pour devoir streamer, quoi. Je veux dire, c'est vraiment dommage. Après, peut-être qu'il y a des gros titres. À mon avis, si jamais ils mettent ça, c'est qu'il doit y avoir des musiques de groupe, encore une fois, comme dans Alan Wake. Donc, ça peut être intéressant, mais bon. Enfin, c'est déjà bien. C'est déjà bien, il y a ça. Ça t'ampute d'un point intéressant du jeu, mais on va dire il y a ce progrès qui est là. C'est bien. Maintenant, il faut passer à l'étape au-dessus. Ça, je dis pas ça que pour Remedy, mais pour absolument tous les studios. Maintenant, faut passer à l'étape au-dessus. Faut nous laisser tranquille. Je veux dire, parce que je dis, c'est un autre débat. Alors, visibilité, il y a pas de sous-titres. On va mettre les sous-titres. Voilà. Luminosité, on s'en fout. Visibilité de la TH, bon, on va laisser comme ça. Allez, retour, téléchargement. Non. Crédit. Ah bah tiens, vu qu'on est sur le truc téléchargement, sachez que si jamais vous avez acheté Quantum Break, vous allez recevoir un petit peu plus tard, parce que là on est le 5 avril au moment où je parle, vous allez recevoir un petit peu plus tard un code pour pouvoir jouer à Alan Wake American's Nightmare. Je crois que c'est comme ça que s'appelle le jeu, qui était un jeu Xbox Live Arcade sur Xbox 360. C'est toujours sympa, moi je l'ai pas fait, ça me donnera l'occasion de le faire. Nouvelle partie donc, défi modéré, pour les joueurs qui aiment relever les défis. Vous débutez dans les jeux de tir, personne ne débute dans les jeux de tir. normal, bon on va laisser en normal pour l'instant. Après on verra bien si on pourra mettre en difficile. Si jamais c'est trop simple. Alors, image floue. L'expérience de l'université, acte 1, partie 1, astuce, explorer les environs pour trouver du contenu additionnel. What? Ah, why not? Ah, bah ça. On se tait et on regarde. Notre pire ennemi, c'est le temps. Il n'épargne personne. Voilà ce que vous devez savoir. Le temps s'est brisé. Une fracture croissante va entraîner sa fin. On a recherché un dispositif pour la réparer. Les choses ont mal tourné. Paul Seren voulait nous arrêter. Il a des super pouvoirs, Jack. Tout comme moi. On a échoué. Jack. Et évidemment, on a dû voyager dans le temps. Jack. Je vais trop vite pour vous? Très bien. Par quoi on commence?
Je vous écoute. Reprenons depuis le début. Quand vous êtes arrivé à l'université de Riverport. Je suis revenu pour voir mon meilleur ami, Paul Seren. Il voulait me montrer son nouveau projet. Mon frère Will, un scientifique, était lui aussi impliqué. Ça changerait le monde, selon Paul. Wow ! Putain ! Mais regarde où tu vas, abruti ! Merde ! Dégage de la route ! Connard. C'était une femme. On t'en veut pas. L'université de Riverport. On y est. Ce clin d'œil à Alan Wake est excellent. Eh, hey, merci pour la course. Pas de problème. Ouais, ce clin d'œil à Alan Wake est juste excellent. Bon, pendant 6 ans. Je pense qu'à mon avis, vous avez repéré le clin d'œil. La première scène où quelqu'un se fait écraser. Quelqu'un se fait écraser en voiture. Là, apparemment, la personne a survécu. Alors, je sais très bien que le jeu a utilisé cet acteur pour pouvoir faire son jeu. Donc c'est lui le héros du jeu. Je suis désolé, moi je ne suis pas du tout un cinéphile, je connais le nom de très très peu d'acteurs. Et cet acteur, je l'ai déjà vu, je le connais, mais impossible de savoir qui c'est. Je ne sais pas qui c'est, je ne me souviens plus dans quel film il a joué. Même si on dirait qu'il a joué dans X-Men Origins Wolverine, on dirait que c'est lui. Vous savez, celui qui coupait les lumières, qui est... Ça m'étonnerait qu'il soit... celui qui maîtrisait l'électricité en tout cas. Ouais. Alors, regardons. Ça a l'air plutôt joli. Plutôt joli, on va se balader un petit peu. Bonjour monsieur. Bonjour. Ouais. D'accord. Si c'était raciste, t'aimes pas les blacks. J'ignore ce que vous voulez. T'aimes pas les blacks, mais je n'ai pas le temps. Mais lui aussi, c'est un doubleur. C'est un doubleur connu. Lui aussi, c'est un doubleur connu, ce mec là. Ah putain. Ça va être sympa. Mais... Ça va être sympa. Je vais montrer à tout le monde ma piètre connaissance du monde du cinéma. Je me balade un petit peu, hein, excusez-moi. Encore une fois, c'est ma partie, je fais ce que je veux. Et d'après ce que j'ai compris, il valait mieux essayer de tout visiter. Un petit peu comme dans Alan Wake. Je trouve la façon de se déplacer du personnage assez bizarre. Assez bizarre. On dirait qu'il fait des grands sauts. Et quand il fait des pas. Ça c'est bizarre. Bon, c'est un petit détail je suppose. On peut pas courir, RT, LT, ça c'est... Il y a rien, ça c'est pour... D'accord, ça c'est pour zoomer. Le bouton A ne sert à rien, le bouton X non plus, Y, B, tout ne sert à rien pour l'instant. Bonjour mon petit. Ah, apparemment on peut lui parler. Vu, d'accord. Je suis bourré. Dure nuit, hein. C'est pas... De toute façon, plus rien n'a d'importance, alors... Ouais. D'accord. Merci, monsieur. Ici, ça doit être le plan, ouais. Paul m'a dit de le rejoindre dans le bâtiment de physique. Alors, chose qui est quand même, encore une fois, sympathique, c'est qu'apparemment, les sous-titres sont faits pour sourds et malentendants. À savoir qu'ils précisent quelle personne parle pour ceux qui éventuellement n'entendraient pas. C'est sympa. Objet narratif. Trouver les objets narratifs disséminés dans ce monde pour plonger encore plus avant dans l'univers de Quantum Break. D'accord. Vous pouvez passer en revue les objets collectés jusqu'ici dans le menu chronologie du jeu. Oui. Regardons.
Ouais, ça, juste un plan. Ça fait partie des objets narratifs. Alors, 6%, blablabla. On verra ça peut-être un petit peu plus tard. Il y a 16 objets narratifs à trouver, certainement dans ce chapitre-là. Why not? J'ai envie de dire, why not? Bon, apparemment, il n'y a rien à faire. Écoute, on va y aller, hein. On va essayer de regarder ce que vaut ce jeu. Techniquement, c'est pas une claque, mais c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, c'est agréable. J'attends beaucoup des effets de lumière en tout cas, parce que je sais que Remedy, ils aiment bien ça, la lumière. Ils aiment bien. Join the protest! Protest par rapport à quoi? Ah! Jack, je viens d'arriver sur le campus, t'es où? Bon sang, ça fait plaisir de t'entendre. Ah, quand tu seras dans la cour, regarde à ta droite. Tu verras un super bâtiment de physique où la lumière est allumée. Je t'attends à l'intérieur, j'ai vraiment hâte de te montrer ça, mon vieux. Tu m'as toujours pas dit ce que c'était que ça. Je sais, à très vite. Pourquoi à 4 heures? Pourquoi ne pas attendre le matin? Paul avait toujours eu le goût de la mise en scène. Sympa. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tract sur une manifestation. Hey vous! Il est temps d'agir! Monarch Studio, j'allais dire, mais non, c'est Solution, putain. Monarch Solution veut démolir le fleuron de l'université de Riveport, la bibliothèque magnifique et historique qui a accueilli de nombreuses générations d'étudiants. Ce bâtiment fait partie de notre héritage. Sa place est dans un musée. Pardon. Et vous les effets, ah, bien sûr. Hashtag sauver la bibliothèque, mais lol quoi, putain. Sauver l'horloge de l'hôtel de ville. Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville! Oh, une fresque. Hey mon Jack. Ça, c'est pas bon signe. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? En quoi ça c'est pas bon signe? Parce qu'il y a une fresque qui a été salie. Bon. Je vois pas vraiment là où il veut en venir. Enfin bon. Alors, prenons cette trouille. Quelqu'un, encore quelqu'un de beurré par terre. Allez, soirée étudiant, ma gueule. C'est génial. bonjour, madame, monsieur. Bonjour. Sacré manif. Ouais, c'est... Mais ouais, vas-y, faut manifester. Ah là là. Donc, il a dit à droite, hein. Je sais que c'est le grand bâtiment là-bas. Apparemment, le bâtiment d'essence. Bonjour, messieurs. Enfin, monsieur, dame. Hé, hey, vous savez où se trouve le bâtiment de physique? C'est celui-là, là-bas. Vous voulez parler de cette énorme tortue métallique derrière moi? On peut pas la rater. Merci. T'es bien, là. Ah, c'est un petit mouvement de la main. On peut rentrer maintenant? Arrête de parler! Alors. Non à la tyrannie, encore une fois, putain, décidément, monarque, c'est vraiment un truc détesté. Apparemment. Peut-être que ce sera eux les méchants. Je récupère plein d'objets narratifs, entre guillemets. Enfin, on les récupère pas, on les regarde surtout. Bonjour, il n'y a rien du tout ici, à part des équipements de survie pour les mecs qui éventuellement seraient montés à environ 8 grammes. Please go around. Allez, Amy, on rentre chez nous. Y'a plus personne à convaincre. C'est qui parle? Je sais pas. La manifestation semblait être une cause perdue. Ça m'a rapproché des étudiants. Ouais, c'est ça. C'est ça qui t'a rapproché des étudiants. Ah, c'est peut-être ces personnes qui parlaient? Si vous êtes avec cette fraternité, vous avez fait assez de dégâts. On doit vider les lieux. Hé, hey, je suis venu en paix. Je viens juste voir un ami. À 4 heures du mat? Ouais, on parlait pas. Eh bien, on essaie de faire connaître la vérité sur Monarch Solution. Alors, si vous voulez savoir comment ils nous mentent, vous pouvez me demander.
What? D'accord. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Qu'est-ce que ça vous ferait de savoir qu'un énorme conglomérat s'apprête à dynamiter tout un pan de votre patrimoine historique? Vous piquez ma curiosité. Tant mieux. Parce que cette magnifique bibliothèque a plus de 100 ans. Elle fait partie de l'histoire de cette ville. Et Monarch Solution a l'intention de la détruire demain. Vous voulez savoir pourquoi? Tout est expliqué dans notre graphique. C'est quoi cette tête qu'elle fait là? Allez-y, jetez un œil au graphique. Ouais. C'est ça le graphique? J'ai l'impression que Remedy sont pas encore. Ça vous intéresse? Ou vous êtes juste en train de flâner? La ferme! J'ai l'impression que Remedy est encore, encore à l'ouest, hein, niveau. Monarch va raser la bibliothèque pour construire un nouveau centre de recherche. Et pourquoi? Je parie que vous allez me le dire. Pour mener à bien son programme. Enfin, regardez ces chiffres. Il s'empare peu à peu de cette ville et personne ne s'en rend compte. C'est vrai que ça craint. Bon, je dois rejoindre mon ami. Mais laissez pas tomber, d'accord? Je vois. Elle est jolie au moins. C'est pas vraiment ça. Ouais. Non. Par contre, j'ai l'impression que Remedy a encore quelques petits soucis au niveau de la modélisation des personnages. Pas Jack parce que lui apparemment il a l'air d'être plutôt bien, même si ils ont encore les yeux d'un poisson mort. Hein. Ça c'était un gros problème dans Alan Wake, mais dans Alan Wake c'était pire encore parce que non seulement ils avaient les yeux, mais ils avaient également le faciès d'un poisson mort. Et là j'ai l'impression qu'en fait ils ont appris un petit peu de leur connerie, à savoir que maintenant les personnages n'ont pas uniquement le visage et les yeux d'un poisson mort, le visage bouge, mais j'ai l'impression que les émotions sont un petit peu hors sujet. Parce que là la nana elle était en train d'agir, je veux dire, son visage était en train de... son visage... Oh, c'est Monsieur Grincement? Ah non. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, l'interrupteur! C'est pas Monsieur Grincement, lui? Oh! Bonjour, Alan! Bah si, c'est ça. C'est Alan Wake et Monsieur Grincement. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Ouais, c'est ça. Oh putain, c'est pas mal! Ah, c'est pas mal! Super le clin d'œil! Trouvez ça marrant. Bon, bref, on avance pas, on fait pas grand chose. Ouais, je sais, on fait pas grand chose, mais. Je visite, hein, ça fait 25 minutes. C'est ça qui le motivait. Il figurait dans bon nombre de ces listes de jeunes entrepreneurs de l'année. Et maintenant, il était à la tête d'un gros projet à l'université. Ça comptait beaucoup pour lui. Eh, la manifestation est terminée. Rentrez chez vous. Liam Burke. Je suis pas là pour ça, chef. Vous pouvez ranger ce sifflet. Connard. Se fait insulter gratuitement. Qu'est-ce que c'est que c'est? C'est quoi cette université de PD encore là? Les mecs, on sait pas ce qui leur arrive. Où est votre uniforme? Tiens. Pardon.
Et où ton uniforme? Ça va, j'ai eu assez d'emmerdes pour savoir reconnaître un mec de la sécurité. Vous êtes vraiment sûr de vouloir fourrer votre nez ici? C'était censé être une menace, ça? Parce que c'était vraiment trop mignon. Allez, dégagez. Oh! Oh putain. La quenelle. La quenelle. Petite quenelle de 50 quand même. Ça fait plaisir. Alors, ouvrons la porte. Pour voir un projet de recherche. J'ai lu entre les lignes. Paul était très stressé. Il avait besoin d'un ami. Je voulais l'aider du mieux possible. Espèce d'enfoiré. Jack Joyce. En chair et en os. Le grand Paul Seren. Ça gaze le millionnaire? Ah, ferme-la et ramène-toi. Bienvenue, vieux. Ça fait 6 ans. Je croyais que tu reviendrais jamais. Ouais, moi aussi. Allez, viens. Ouais, bon... Il y a du progrès, voilà. Encore une fois, il y a du progrès. C'est pas aussi... Première classe. C'est pas aussi raté que Alan Wake, mais encore une fois... J'imagine que Will ne se joindra pas à nous. Il ne sait pas qu'on est là. Je savais que Paul avait demandé à mon frère Will d'être consultant sur son projet. Je veux juste vérifier un truc. Mais il était compliqué. Ah putain, trop tard, il parle plus. C'est dommage, j'aurais bien aimé vérifier quelque chose. Combien tu les as payés pour afficher ça à mon arrivée? Même moi, j'ai plus de retenue. Putain, le gros plan comme ça, ça c'est bien, ça. Ah, c'est bien modélisé, encore une fois, hein, mais... j'ai vraiment l'impression, c'est sur les expressions et tout ça. Remedy a encore du retard, hein, et c'est vraiment dommage. Donc, tu avances, mon brave? Oui, non. J'ai pu vérifier hein, le truc que je voulais, c'était pour savoir s'il bougeait la... s'il bougeait les lèvres au moment où il parle, en fait. On monte. Il me semble que oui, il cache quelque chose. Voilà. Est-ce que ça concerne mon frère? T'inquiète toujours pour lui, hein. Si Will a fait quelque chose de mal, alors... Jack, écoute. Si je n'ai parlé de ça à personne, c'est pour une bonne raison. Le projet sur lequel nous travaillons, il va changer le monde. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je vais avoir droit à une de tes présentations interminables? Bon, je ne me permettrai pas. Ouais, c'est bizarre. Regarde. Cette présentation pour illustrer le projet tombe. Je trouve ça nommé. Space, mais bon. On est quand même à un niveau acceptable. Oh, incroyable. Voilà. Au niveau de la réalisation, allez, ça va, ça a l'air plutôt, plutôt bien foutu. Il y a de beaux petits. Il y a de. Oula. What the fuck? Moi. Regardons par ici. Allez, Jack, viens. Tu ne vas pas en croire tes yeux. Oh putain, y a la vitre est tellement propre, tu regardes comme ça, il y en a pas. Hein. Mais par contre, là, il y en a. Putain, c'est bien fichu. Bon, ça a l'air d'avoir un petit peu de gueule, quoi, ouais. Les lieux avaient changé. Paul avait changé. Je me sentais pas à ma place. D'accord. C'était votre ville natale. En 6 ans, vous n'avez jamais ressenti le besoin d'y retourner. Regardons un petit peu partout. Non, je suis pas soufflé, mais je suis pas déçu pour l'instant pour tout ce qui est réalisation et tout ça. Après, on va voir au niveau de l'action, si jamais il y en a. Bien, passons au clou du spectacle. De toute façon, de ce que... ça a vraiment pas changé. Comment dire? De ce que j'ai compris, le premier... La première partie de ce Quantum Break est vraiment très lente. Hein. Elle est vraiment très lente et elle n'est pas très intéressante. Et c'est à partir de l'épisode 2 où ça commence réellement à se lancer. Certainement pour ça qu'à mon avis je vous ferai non seulement cette vidéo découverte sur le début, bienvenue mais également sur la suite. Oh oh! Tu veux avoir un sacré budget? Qu'est-ce que c'est que tout ça? L'avenir, Jack.
Alors ça, tu vois, ça c'est la faille temporelle de BioShock. Voilà. Impressionnant. Mais c'est oui, scientifique. Pourquoi t'as fait appel à moi? C'est la faille temporelle de BioShock Infinite. J'ai besoin d'une personne de confiance. J'ai besoin que tu m'aides à convaincre Will. Convaincre Will. Je m'en doutais. Ah. Quand ton frère a découvert la portée de ce que nous construisions ici, il... Eh bien, tu connais Will. Ah, ouais. Non. Ne bouge pas, je vais chercher quelque chose sur mon bureau. Will est parti en vrille. Il a fait fuir les investisseurs en leur parlant d'erreurs de calcul, de danger. Le tout, sans aucune preuve. Ça fonctionne. Mais ils vont nous couper des vivres si je ne le prouve pas. Oui, mais justement, c'est-à-dire que lui n'a pas de preuve que ça peut foirer, mais toi, tu n'as pas de preuve que c'est 100% fiable. Donc, pour le coup, ton projet, moi, de mon point de vue, il ne vaut mieux pas l'essayer. Il ne vaut mieux pas essayer de le mettre en marche. Dans ce cas-là, je préfère être 100% sûr que ce soit viable. Tu sais, ce n'est pas facile pour moi de te demander de l'aide. Ah bon, pourquoi pas? J'ai de gros ennuis. Les tests que je dois amener ici ne sont pas vraiment légaux. Tu es le seul à pouvoir m'aider et en plus. Oh, je sens le truc, je vais te servir de cobaye. Ce que Will a fait, je tiens à le réparer. J'adorais mon frère, mais il me facilitait pas la tâche. La plupart. Est-ce que tu sens le truc je vais devoir faire un cobaye. Jack, merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu dois convaincre Will. Au final, c'est moi qui vais faire le cobaye dans ce truc-là. Voilà, je vais faire le petit cobaye. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Non? Stay clear. On dirait... ça, à quoi ça me fait penser, ça? Ça me fait penser à l'espèce de... d'ascenseur, entre guillemets, vous savez, qu'il y a dans... Dans BioShock, le premier truc que vous utilisez là, pour aller à... Ah putain, comment elle s'appelle la ville souterraine de BioShock déjà? Oh mon dieu! Mon dieu, j'ai oublié ça? Attends. Attends, c'est pas possible, je peux pas oublier ça. Merde! Pourquoi j'ai oublié ce truc-là? Putain, mais en même temps, ça fait combien d'années que j'ai pas joué à BioShock? Oh putain, mais comment ça s'appelle? Rapture! Putain, voilà! Rapture! Mon dieu! Putain, mais j'ai oublié ça, quoi. Mais en même temps, je veux rejouer à BioShock, mais ce serait bien que Microsoft me donne la possibilité... je sais pas, d'y rejouer sur ma One. Ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que c'est? Le plan du couloir. Voyager dans le sens des aiguilles d'une montre correspond à une avancée dans le temps. Le sens inverse à un retour dans le passé. Ah, vous avez inventé une sorte d'horloge? Oui, c'est vraiment révolutionnaire. Alors ça, je crois que ça a toujours été contredit scientifiquement parlant, le fait de voyager... Ça activera le noyau. Je vais faire des tests et m'assurer que... Bon, enfin bon, c'est une œuvre de fiction. On va pas commencer à essayer de trouver des trucs logiques là-dedans. C'est une œuvre de fiction. Alors, mais ouais. Hey, hey, activez le noyau. J'active le noyau. Orienter elle vers l'avant. On doit continuer à pousser, Jack. Ouais, ouais. Ça y est, il y a tout qui a pété, ça va devenir Half-Life. Ça y est, ça va devenir Half-Life. Ça va être le bordel. T'es sûr que c'est censé faire ça? Dr. Freeman! C'était quoi ça? Le noyau simule les effets d'un micro-trou noir en rotation, alors son activation peut être un peu... intense. Un trou noir? C'est quoi le but de l'expérience? Wow. Tu vas bientôt le savoir. Par ici. Ah ouais. Le couloir, c'est comme... Oh, puis ça a de la gueule, hein. Un petit parfum d'illégalité et de danger. Ouais, ouais, mais utilise un rat pour faire ça. Cette fois, je voyais que c'était différent. Mais je saisissais pas l'ampleur et la gravité de ce qui allait se passer. Wow. Comment j'aurais pu? Le mec, il a fait un trou noir, quoi.
Il essayait de paraître détendu, mais je sentais qu'il était nerveux. Ça y est, on va vraiment le faire, Jack. Ça va être un truc de fou. Oh là 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 là, que j'aime pas les tarés comme ça. J'aime pas du tout ces gens-là. Tiens, prends ça. Tu as besoin de cette clé pour activer le couloir. Oui. Tu m'as donné la clé ? Apparemment, oui. Bon. Attention. On doit tourner les clés en même temps pour l'activer. Pour activer le GoldenEye. Prêt ? J'ai l'impression d'armer une bombe atomique. Ah, c'est le GoldenEye, t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. 3, 2, 1. Ah, je tournais. Alors. Qu'est-ce que c'est ? Le couloir. Le voyageur entre par une extrémité, fait le tour de la boucle, ressort de l'autre côté et arrive à la date programmée à l'endroit où la machine se situe à ce moment-là. Le voyageur ? Wow ! Attends. Ce couloir sert à... Tu vas vraiment entrer là-dedans ? Dans cette machine ? À travers le temps ? Ce truc est une machine à voyager dans le temps. Je vais être le premier, Jack. Et tu vas y assister. Ouais, parfait, vas-y. C'est folie, Paul. C'est trop dangereux. Qu'est-ce qui se passera quand... L'équipe a déjà prouvé qu'elle fonctionnait pendant la phase d'essai. Elle est prête. Oui, nous mais faut voir tous au... Les tests, toutes les inspections. Ouh là là. Nous allons entrer dans l'histoire, Jack. Nous allons entrer dans l'histoire. C'est appuyé. C'est puis le mec qui pète un câble. Non ! Moi d'abord, putain, tire-toi, connard ! Il saute dedans, c'est comme un taré. Bon, bah, faut que j'active. Eh ben écoute, ce fut un plaisir. Moins 2 minutes. Moins 2 minutes dans le passé. Est-ce que c'est un clin d'œil à Retour vers le futur, ça ? Avec Einstein. Jack, je crois que c'est 1 ou 2 minutes. Je sais plus. C'est je crois que c'est 1 minute. Il a envoyé juste 1 minute dans le futur. Bon. 2 minutes dans le passé. Là, c'est 2 minutes dans le passé, donc allons-y. Souviens-toi de ce moment. Oh oh. Attends, mais c'était pas censé. Ah bah quoique si, dans le passé. Ah bah si, c'est logique. What the fuck? Et la rupture Et la rupture spatio-temporelle alors? Tout va bien, reste calme, Jack. Reste oui, calme. Mais toi, faut que t'y ailles. Vous êtes deux. Tu t'es multiplié, putain. Mais non, mais rentre dedans, parce que si jamais tu rentres pas, bah lui, il va pas sortir. C'est juste, c'est moi. Une version de moi, tout droit sorti de 2 minutes. Oui. Oui, mais rentre dedans. Du futur. On a réussi. Oui, mais... C'est incroyable. Mais... Tu réalises. Mais attendez 2 secondes, là. Il y a quelque chose qui me brouille l'esprit. Parce que là, ils sont gentils. Ils sont en train de parler 2 minutes dans le futur. Mais c'est... J'ai envie... Enfin, non, dans le passé. Oh, nom de Dieu, ça devient un bordel. Mais non, mais je veux dire, là, on est d'accord que le mec est sorti... Il est sorti de la faille. Il est sorti de la machine à voyager dans le temps, ce qui fait que 2 minutes avant qu'il rentre dans la machine à voyager dans le temps, il est revenu en arrière, c'est normal. Mais s'il n'est jamais rentré dedans, c'est ça que je comprends pas. Parce que là, il parle, mais il rentre pas dedans. Parce que, du coup, il croit son lui du passé, du futur, je sais plus, mais putain, s'il rentre pas dans la machine à voyager dans le temps, techniquement ça marche pas. On pourrait prévenir les gens avant que les catastrophes se produisent, guérir les maladies avant qu'elles se propagent. Je t'ai dit ça il y a 2 minutes, et ça sonne toujours aussi bien. Bordel de merde. À toi d'entrer dans la machine. Ouais, je suis d'accord, bordel de merde. On va compléter le cycle. Oui, évidemment. Paul, attends. Qu'est-ce que tu fais? C'est comme une bah oui, il faut qu'il rentre dedans. Je dois entrer dans la machine et retourner au moment où j'en suis sorti pour, eh bien, tu vois, pour être là. Ah bah oui, voilà, ouais, c'est bien. Si tu ne sors pas, il n'y a pas de si, Jack. Je suis là, ça s'est déjà produit. Oui, bah oui, voilà, ouais, il est ici, c'est normal. Tu l'as bien vu, Jack. On a réussi.
Non, c'est impossible. C'est complètement impossible. Je veux dire, je sais même pas comment. Hérésie ! Sacrilège ! On doit tout de suite tester l'autre sens. Règle la machine sur 5 minutes dans le futur. On doit régler la machine dans l'autre sens ? Pourquoi donc ? Bon, 5 minutes dans le futur cette fois. Donc là, c'est pas dans le passé, c'est dans le futur. Jack. Ah non, c'est lui ! Tu dois m'aider. On doit la désactiver ! Non, arrête-le ! La ferme ! Attends, attends, endommager le noyau ! Attends, on peut pas la désactiver, Paul est toujours dedans. La ferme ! Regarde-moi ! La ferme ! Regarde-moi ! Lâche ton arme, on va parler, d'accord ? On n'a plus le temps. Tu sais plus ce que tu fais, lâche ton arme ! Putain, Will. Le temps va s'arrêter ! Jack, fais-moi confiance. Sinon quoi ? Arrête-le ! Non, non, je dois te faire sortir. Oh non, non ! Non, 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 non. Petite note, je me suis gouré d'acteur, c'est William qui faisait le mutant dans X-Men Origins et accessoirement Meriadoc dans Le Seigneur des Anneaux. Ça va ? Je crois que oui. Je vais trouver un moyen de sortir. Occupe-toi de Will. Ouais. D'accord. Le temps s'est arrêté, apparemment. Donc on est dans une faille. Les mots de Will résonnent. On est dans une faille là ? Waouh, qu'est-ce que c'est que ce bug là ? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce bug ? Vu dans le truc dans lequel on est... Putain, c'est quoi ça ? Les données étaient stables. Ça aurait dû marcher, Jack. Ça aurait dû marcher. C'est le temps. Oui, ça... Ouais, on a arrêté le temps, carrément. Par contre, c'est tout le bordel. Regarde-moi ça. Ça a de la gueule. Il y a des trucs qui bougent aussi. Je suis pas en train de rêver, là. Hein. Regarde. Qu'est-ce que... C'est tué le trip, comme dirait l'autre. Qu'est-ce qui se passe ? Ouah, putain. Will ! Qu'est-ce t'as fait ? Qu'est-ce t'as fait, nom de Dieu ? Will ! Ah, c'est pour le sauver, certainement. Will ? Allez, Will. Qu'est-ce qu'il y a ? De Dieu. Le point zéro. Qu'avons-nous fait ? What a reason ! Je savais qu'elle avait raison. Depuis le début. J'ai mis Paul en garde. Waouh ! Ça aurait pu être évité. C'est trop tard. Bon, je vais vous laisser avec, hein. Parce que là, ça m'intéresse, là. Putain. Oui, parce que, encore une fois, c'est, comme je vous ai dit, hein, c'est une totale découverte. Je me suis pas du tout intéressé à Quantum Break, quoi. Hein. Vite fait, le strict minimum et tout. Putain, c'est Trailer Space. C'est très spécial. Pousse-moi. Hein, on peut pousser les trucs et tout. Le trip de malade. En tout cas, ça a l'air génial. Oh putain, j'imagine les phases scénaristiques qu'il peut y avoir avec ce genre de truc. Voilà. C'est bloqué, ça n'aurait pas dû se produire, toutes les données étaient... Qu'est-ce qu'il y a... Wouah, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel encore ? Putain, mais ouais, mais pourquoi y a l'armée ? Pourquoi y a l'armée ? C'est ça que je comprends pas là.
Non mais ouais, non c'est bon, c'est comme je vous ai dit, c'est dans Half-Life. Voilà, c'est Half-Life, les soldats de Half-Life qui arrivent. Je pouvais rien faire pour les. Oh de Dieu. Je savais pas où il allait atterrir. Oui, bah oui, bah je fais ce que je peux mon grand. Laisse-moi suivre l'histoire. Il est là. Tirez. C'est quoi ça? Vite, par ici. Tirer de quoi, de qui? Ah putain. Je te suis mon grand, je te suis. Ah putain, j'ai cru qu'il y avait un bug, mais non. D'accord, on peut passer par ici? Oui. Il va se passer quelque chose. D'accord. Bon bah regardons. Jack, tes mains. Faut pas qu'on s'arrête. Ouais, le mec a l'air franchement surpris, hein. Mais pourquoi? Jack, tu viens de... Avance. Par ici. Allez. C'était la première fois que mes pouvoirs se manifestaient. Une décharge d'énergie incontrôlée qui a sauvé Will. Ouais, attends, une décharge... Enfin, c'est justement ça que je comprends pas. Vous imaginez à la place du mec, là, de faire d'espèce de récupérer des pouvoirs comme ça. Je trouve sa réaction assez pourrie en fait, parce que le mec il est là, tu sais, genre il a d'un coup il a des super pouvoirs, le mec il vient d'arrêter de ralentir le temps pour sauver son frère et tout, il est même pas surpris, tu vois, c'est le pareil la remarque que Will a fait à Jack avec ses mains là, tu sais, oh tes mains, t'as vu tes mains, le mec tu sais il est là. Mais c'est dans le scénario, vas-y avance. Un petit peu plus de réaction quoi, ça aurait pu être sympa, parce que je rappelle que Jack ne sait pas ce qui se passe. C'est même celui qui en sait le moins apparemment. Je sais pas, je trouve ça un peu forcé. Ta proximité avec la mission, ça. Oh. Ça a dû modifier ta relation au champ de mission problème. Pour pistolet ramassé. Je n'ai pas le flingue d'équipé apparemment. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Tu peux me la refaire en français? S'il te plaît. L'explosion a altéré le temps. Imagine que le temps est un œuf. Eh bien, cet œuf est cassé. On a bousillé l'œuf du temps. Hein? Wow. C'est quoi le rapport avec l'œuf? Bah, parce que la poule. Une fracture s'est formée dans le temps. Elle se déchire, ce qui va entraîner la fin du temps. Et de la porte. Quoi? Fermée. Putain. Ils ont bloqué mon accès. Ça m'a pas aidé, ça. Pousse-toi. Je vais l'ouvrir. N'importe quoi. Donc voilà ce qui se passe les gens, si jamais vous tapez votre PC qui fait un écran bleu. Voilà. T'auras mal à la main et c'est tout. Alors, ouvre-moi ça. Bonjour. Oui. Ils arrivent. Plante-toi. Oh merde. Attention, phase de tutorial incoming. Par ici. Ah quoique non. Hé, hey, Meriadoc. J'avais prévenu Paul, pourtant, au sujet des calculs. J'ai essayé de t'expliquer aussi. En pointant une arme sur moi? Oui, une arme. Le symbole universel pour dire ferme-la et écoute-moi. C'est d'une logique apparente. Non, quoi? Je sais pas. RAS de ce côté. Je peux pas bouger la caméra. On est sûr qu'il est pas retourné au labo? Il aurait pu faire demi-tour et essayer d'emprunter l'ascenseur de service. Tout ça est absurde. Raider 5 est en chemin. Qu'est-ce que tu fais là d'abord? Tu crois vraiment que c'est le moment de poser ce genre de questions? Les renforts arrivent, ils vont le trouver. T'es obligé de gueuler quand tu parles. Paul m'a fait venir pour réparer tes erreurs. Le Will qui le regarde. Est-ce que tu as la moindre? Je vais voir. Mais l'autre il tape ce connard, mais quel con, je te jure! J'y vois que dalle là-dedans. Je vais devoir me glisser derrière. Oh non de Dieu. Tu l'as entendu, on y va. Qu'est-ce qu'ils font? Elle est très awkward cette scène là. Calme-toi. C'est bon, on peut réavancer? Tu sais pas de quoi tu parles, Jack. T'étais pas là. Il se passe beaucoup de choses en 6 ans. Oui, sûrement. Moi aussi, je suis content de te voir, ça Will. Avec toi et moi. Ils essaient de nous tuer, Will.
Ça a tout à voir avec nous. Écoute, j'ai jamais voulu que tu sois mêlé à tout ça. Je suis désolé. Oui, c'est bien. On s'en fout. Faut sortir. Oh putain, Resident Evil 6. Attention. Je ne joue pas, hein, pour l'instant, depuis tout à l'heure. Je ne dirige personne. Je ne dirige personne pour le moment. D'accord, donc les mecs sont partis. On est passé derrière eux. On doit l'empêcher avant qu'il soit trop tard. Comment ? Ouais. D'abord, on doit aller à ma voiture. Qui c'est, ça, en bas ? Tu t'en sors mieux que moi avec la porte. Ça y est, il y a encore une porte qu'on va devoir ouvrir. Et tu peux pas... Oula. Le souci, c'est que là, maintenant, tu sais, avec ce genre de... avec ce genre de d'histoire, avec ce genre de plot, là, tu vas être obligé... Moi, comment tu veux que je fasse des tests, genre des tests physiques et tout ça, sur la réalisation du jeu? Tu sais pas si jamais ça va être des bugs ou pas, tu sais. Bon, bah, écoute, on va ouvrir la porte, hein. Voilà. Oh, j'ai plus d'épaule! Fuck! Merde, cible est armée, feu à volonté! La cible est armée! Ouais, j'avais remarqué! Mais crève, nom de Dieu! Merde! Go, 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 go! Will, reste à terre! Allez! Y'a pas un véritable si. Wouah! J'ai fait une connerie! Merde, putain! L'ordinateur l'a sauvé! Bon, il n'y a pas un véritable système de couverture, ce qui est franchement dommage. On perd en finesse, mais bon. Au moins, il se met à couvert. Will, tout va bien? Je crois, oui. Mais Jack, c'était... Je sais. C'était de la folie. That was a mess! Je savais me servir d'une arme. J'avais déjà eu quelques ennuis. Mais je m'étais jamais retrouvé avec une armée de soldats aux trousses. Ah bah, Gordon Freeman, lui, il s'est fait. Lui, c'est déjà fait. Demande-lui. Une mitraillette. Oula, excusez-moi. Un peu. Le nez qui m'a chatouillé. Bon bah écoute. Vous avez ramassé une mitraillette. On peut changer d'arme comme ça. Comme dans Alan Wake. D'accord. On peut prendre les munitions ou pas? Utiliser, oui, pour changer... Oui, je sais, oui, pour changer d'arme, merci. On peut pas prendre des munitions. Bon, certainement, parce que voilà, apparemment, le flingue, c'est munitions infinies. Paul était persuadé que l'expérience allait marcher. Que les données étaient correctes. Oui. Parce que ces spécialistes sont une bande d'abrutis. Leur formule ne prenait pas en compte ces variables essentielles. Attends, tu fais vraiment des corrections, là? Eh ben, s'ils les avaient faites dès le début, on n'en serait pas là. Le mec, il corrige tout, tu sais. Vous venez d'activer un écho quantique. Regardez le prochain épisode de la série pour découvrir les conséquences de votre acte. Oh! D'accord, donc tu vas me dire que ce sont de tout petits trucs à la con comme ça qui risquent de changer certains événements. C'est pas mal ça, c'est intelligent, ça te pousse à explorer le jeu, à essayer de regarder un petit peu partout. Ah, si jamais c'est le cas, ça peut être sympa. Ouais. Moi, je dis ouais. 10 out of 10. On doit faire quoi? Ah, c'est d'accord. Ça craint vraiment. Ouais, je sais que ça craint. Attends. Ouais. Oh, il descend. Y a une porte là. Oh merde. Oh, non, putain. Encore. Qu'est-ce qui se passe? Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Où ils sont tous passés? J'aime pas ça. What the coup, fuck? Pourquoi l'ordinateur il a explosé? L'autre Joy, c'est là. Putain. J'ai un petit souci avec la visée. Voilà. Il faut arrêter le temps avec l'anneau. Avec l'anneau de pouvoir. Putain, il est pas mort encore. Oh, de Dieu. Là. La merde, là. Putain, lol, il m'a fait une feinte, le mec m'a fait une feinte.
Par contre, j'ai l'impression qu'on a une barre de vie. Voilà, on a une barre de vie qui est quand même assez conséquente. Bien donc ça. Waouh! Le temps fait encore des siennes. Ça m'étonne pas. On doit y aller. Équipe Ryder, est-ce que Jack et William Joyce ont été appréhendés? T'as entendu? Ils connaissent nos noms. Ils savaient qu'on serait là. Oui, mais c'est qui ces gens? C'est qui ces militaires là? Pourquoi est-ce que les militaires pop comme ça d'un coup? Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? J'exige de comprendre, comme dirait Timon. Qui c'est vous, putain? Il y a de la physique avec les chaises, les mecs! Il y a de la physique avec les chaises, nom de Dieu! C'est bien! C'est génial! Oh, et avec tous les éléments du décor en plus! Oh, c'est cool! C'est cool! Même les livres, ils tombent! Oh, regarde-moi ça! Oh, putain, c'est génial! Alors... Allez. Oui, bah attends, je veux regarder ce qu'il y a là-bas. Parce qu'il y a peut-être des choses à récupérer. Ah, tiens, qu'est-ce que j'avais dit? Hop là, manif à la bibliothèque. On s'en fout, je regarderai ça plus tard. Objet narratif trouvé, 1 sur 3. Ah, c'est selon des... c'est des zones, quoi. C'est selon certaines zones qu'on récupère les objets. C'est pas les chapitres. Bon, allons-y. Oui, bah en même temps, t'es pas obligé de m'attendre, hein. Monarque pourrait s'y attendre. On n'a pas le choix, Jack. C'est important. Pour réparer la fracture, j'ai besoin de... On doit aller à ma voiture. Ok, bon. Essaie de m'expliquer tout ça, Will. Alors, le temps est cassé, d'accord. Et tu dis pouvoir le réparer? En théorie. J'ai construit quelque chose au cas où ça se produirait il y a des années. Mais trouver la contre-mesure ne sera pas facile. La contre-mesure? Qu'est-ce que c'est? Ok. Évidemment. Peut-être que les portes s'ouvrent encore. Laisse-moi essayer. Ouais, j'ai une épaule. J'ai une épaule à toute épreuve. Ah non, on appuie juste sur le bouton. Oh, I'm fucked. Oui? Oh merde. Encore figé. Mais... Je peux pas... Je peux pas leur tirer dessus? Ah merde, putain. Hey, t'es où? Qu'est-ce que je fais là? En me concentrant, j'arrivais à défiger Will. Même si le monde autour restait figé. Une interruption. Apparemment, écoute. Au sujet de la fracture. Et de mais ne va pas dans la balle, ouais, voilà. Parce que... Oh! Ah, oh, ça c'est énorme ça! Oh, ça c'est excellent quoi! Mais tu peux piquer son flingue! Putain, c'est cool! Hop là, à moi! Bon, du coup, je sais pas qu'est-ce qui explose là, mais bon. Voilà, et ça, à moi! Voilà! Mieux vaut ne pas être là quand l'interruption. Vous êtes de bons gros soldats! Objet narratif trouvé 2 sur 3. Donc il y a Will qui est ici. Il n'y a pas un autre truc, je veux regarder! Je regardais. Apparemment, c'est pas timé. Donc, c'est scripté. Ce n'est pas timé, de ce que je vois. Donc, en profiter pour se balader un peu. Hein, écoute, j'aimerais bien essayer de trouver le dernier objet narratif. C'est peut-être ça. Enfin, le dernier objet narratif de cette zone. En tout cas, ça a de la gueule. Hein. Encore une fois, les effets de particules et tout ça, c'est pouah. Ah non, hein, ça envoie. Ça envoie du bon gros lourd sa maman. Hop là, comme ça c'est bien. Ce qui serait génial, c'est que le temps, tu vois, reprenne, et que une fois que le temps a repris, ces mecs-là se retrouvent comme des cons sans flingue. Franchement, ça serait génial. Je trouve que ce serait génial. Putain, et ça aussi, ça c'est un détail de malade. Ils ont fait l'effort de pas faire des clones. Regardez. Ils ont fait l'effort de ne pas faire des clones pour ce qui est des soldats. Regardez, lui c'est quelqu'un blanc, lui c'est un noir. Ouais, c'est un détail, mais c'est un détail qui est intéressant pour ma part. On peut pas courir hein, par contre, hein, chose qui est un petit peu conne. J'arrive, mon pote, j'arrive. Je récupère ces munitions, voilà, parce que voilà.
à moi, ça aussi à moi, ça encore à moi. Oh, c'est génial. Je trouve ça excellent. Bonjour. Wouah ! Brutalité policière, les mecs ! L'autre qui se... Je sais pas ce qu'il fait. C'est pas le mec bourré du début, ça ? Je crois, hein. Enfin. Tu sais, pourquoi ça essaye de choper les... J'ai croisé cette fille. Qu'est-ce que tu fais ? En venant ici, je vais la libérer. Ouais, vas-y, ce serait con, quoi. On va pas la laisser, la pauvre. C'est juste une manifestante. Ah, mais attends, on va... Reste figé. Ah. Ça marche pour toi. Pourquoi ça marche pas sur les autres? Je sais pas. C'est peut-être lié à l'exposition au chronon. Regarde-les. C'est une putain d'invasion. Ah ouais, putain, c'est le bordel. Wouah, putain. Mais pourquoi cette... Soulève-la. Elle reste figée. Tu la soulèves, là, comme une statue. Tu la fous dans le buisson, là-bas. Tu fais ce que tu veux avec, et après, tu t'enfuis. C'est ça, ce que je viens de dire. Ouais, un petit peu. Ils emmènent tous les témoins. Donne-moi ça, donne-moi ça. Putain, ouais, ça a été le bordel. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'ils foutent là? Qu'est-ce qu'ils foutent ici, ces soldats là? On sait pas. On peut rejoindre le parking en passant par l'amphithéâtre. Écoute, donne-moi ça, voilà, donne-moi ça. T'as dit que t'étais préparé à ça. Tu savais que ça allait arriver. Comment? Oui, c'est clair. C'est compliqué. Je t'expliquerai ça dans la voiture. Je t'expliquerai ça dans la voiture. Oh putain, on peut toujours pas ouvrir ouvrir les portes, c'est quand même assez... C'est un truc, on n'a pas le droit encore. Hein. C'est cette porte ici, d'accord. Passe en premier, on sait jamais. Ouais, ouais, j'arrive, j'y vais. Bonjour, on est dans un amphithéâtre. Hop là. Oh, le temps a repris. L'interruption s'est effondrée, pour le moment. D'accord. C'est bien ce que je pensais, c'était scripté. Oh, hein. Non, ma voiture. Ils surveillent le parking. Oh non, comme... C'est... Ok. Ok, Will, calme-toi, d'accord? Je vais arranger ça. Je vais me débarrasser d'eux. Je vais récupérer la voiture et la ramener ici. T'es sûr de pouvoir t'en sortir? Non. T'es sûr de pouvoir réparer le temps? Non. Alors on est quitte. Deal with it, bitch. Donc, on va continuer à avancer, hein. Là, c'est vraiment là où tout le scénario s'installe, hein, encore une fois. Ça fait une heure qu'on est en train de faire cette vidéo. Ça fait une heure qu'on est en train de faire cette vidéo, mais il s'est pas passé grand chose. Mais en même temps, en même temps, voilà, quoi. Je veux dire, il pose le scénario. Hein. Dans Alan Wake, c'était pareil. Hein. Mais dans toute création, c'est pareil, d'ailleurs. Oh, vision temporelle, appuyez sur Y pour activer la vision temporelle et localiser les ennemis, les dangers et les objets. La vision temporelle se désactive quand vous déplacez. Putain de merde. Oh, la vision de l'aigle. J'ai commencé à voir des choses, des prémonitions, des échos du passé aussi. On vient de recevoir des ordres de numéro 1 Monarch. Il veut qu'on retrouve la voiture de William Joyce tant qu'on est là. On a le numéro de la plaque. Ça vient. Je parie que c'est une connerie du style boson ou neutron. Localiser les ennemis, les dangers, tout ça, ouais. Parce que j'aurais bien aimé essayer d'être discret, voilà. Essayer de passer par là. On peut pas rester, être vraiment discret, hein. C'est-à-dire, on peut pas s'accroupir. C'est pas nous qui faisons l'acte de discrétion, en fait. C'est pas nous qui faisons l'acte de discrétion. C'est automatique. C'est assez dommage, je trouve. Donc elle est où sa voiture? On peut la voir ou pas sa bagnole? Non? Je sais pas, apparemment non. Allez à la voiture de Will. Oui, mais elle est où sa bagnole? Ou alors il faut que je bute tout le monde? Je suis obligé de buter... Débarrassez-vous des ennemis. Ah d'accord. Je devrais être en Thaïlande, bordel. Allons, on va prendre le fusil d'assaut, allez, recharge. Il y a tous tes copains, là. Là. Ah, moi, je peux te dire, 20 heures d'entraînement avec The Division, j'ai eu le temps de faire des headshots, hein. Ça, c'est... Oh! Non, mais...
Oh, what the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, où est ta voiture, Will? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a explosé? Il s'est suicidé, le mec il a fait. Laissez tomber, il est trop fort! C'est n'importe quoi! C'est pas bon. Oui, c'est bien. Où est la voiture? Ce que c'est je celle-là. C'était un écho du passé. Oula! Will arrivant à l'université. Un écho du passé? Ah, du background! Regardons. J'espère que j'arrive pas trop tard. C'est. Je vois le passé. Ouais, tu vois le passé, mais c'est de la merde, apparemment. Hein. J'espère que j'arrive pas trop tard. Et voilà. Ouais, mais c'est pas top, hein. On voit rien. Hein. Petit dialogue de 5 secondes. Oh, fuck! Oh, merde! Lancer un arrêt temporel. C'est là que j'ai compris. What the fuck? D'un geste. Je pouvais arrêter le temps dans une zone donnée. Lâchez-moi! Vous ignorez ce que vous faites! Will? Merde! Ils arrivent par l'endroit où j'ai laissé. Je dois retourner le chercher. Vite! Oh putain! Eh ouais, mais. Ah, je sens qu'il va y avoir des gros problèmes de gameplay à cause de ce. Bah, justement, à cause de ce manque de système de couverture. Ah, j'ai défoncé la faille. J'ai fait une grenade. Donc il y a lui. Ouais. Oh mais putain, je vise comme une teub. Enfin une teub ça vise bien normalement mais... Oh faites pas chier. Là, merci. Ensuite l'autre. Là-bas. Ce connard m'a tiré. Oh. Les autres doivent être au bout là. Oh là. Ouais. Les autres sont au bout là-bas. Par contre c'est chiant, on peut pas courir. Putain. Eh ben pourquoi tu te mets pas à couvert là? Raté. J'essaye d'apprendre, hein. Prendre la mitraillette, là. Oh oh oh. Où tu vas, mon ami? Mais oh, voilà, quand même. Il y a encore quelqu'un là-bas. I'm coming for you, Barbara. Hop là, voilà, ça c'est fait. Un petit peu plus d'action, hein, pour l'instant, hein. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Il a des ennuis. Max de munitions. Ah, bon. I'm coming for you, Will! Will! Oh. Vous êtes? Vous êtes Jack Joyce? Où il est? Où est mon frère? Il l'emmène dans la bibliothèque. Vous pouvez encore les rattraper. What? Pourquoi vous m'aidez? Vous êtes avec eux. C'est plus compliqué que ça. Écoutez, j'ignore si vous arriverez à temps, mais faites vite. C'est la première fois que vous avez vu Bess Wilder. Ouais. Mais elle, en revanche, elle m'avait déjà vu. Will? The hell? Will? Putain, j'ai rien compris. Pourquoi il la bute pas gratuitement? Je comprends pas. Certainement ce sera expliqué plus tard, apparemment, hop là. On va pas tarder à s'arrêter parce que je pense que l'acte 1 est bientôt terminé. Y'a pas de toute façon. Je dois retrouver Will. Je dois retrouver Will. Oh oh oh. Est censé capturer William Joyce vivant s'il ne résiste pas. S'il vous plaît, lâchez-moi. Je peux fermer ta gueule. La ferme, ok? Le patron a dit de l'emmener dans la bibliothèque. Il veut s'occuper de lui personnellement. Ouais ouais, on y va, on y va. On va y aller dans la bibliothèque. The fuck is this? Oh, putain! Qu'est-ce qui s'est passé?
Wouah! Encore un nouveau pouvoir! Skulls! Grenade! C'est impossible! On le signale. Wouah, putain! Oh! The fuck! Ce pouvoir est très spécial. Autant pour moi, faut que j'apprenne à l'utiliser. Voilà, toi, viens de suicider sous mes balles. Et mais oh. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. What the fuck? Holy shit! Excusez-moi, je parle pas trop. C'est vrai que là, le... Il est pas mort. Ah. C'est... Le jeu s'est accéléré d'un coup. Le jeu s'est accéléré d'un coup. Ouais, pas top. J'aurais préféré que les livres tombent. Mais bon. Oh putain, regarde, il y a du bois par terre, le bois il bouge, ah. Petit test. Oh oui. Oh oui. Oh, c'est génial. Mission pour mitraillette ramassée. Allez, allons-y, il faut sauver Willy. Je suis désolé. Bonjour. Vous ne saviez toujours pas que Wilder vous aidait. Wilder. Oh, Zelos! Zelos Wilder is in the house! Wilder vous aidait. Rien. Ouh! Tout ce putain de campus est privé de lumière. Quelqu'un a coupé le courant. On était censé agir discrètement. On a ce qu'on voulait. Ouais. Et les médias vont pas nous rater après ça. Hé! Hey, t'occupe pas de ça! T'as entendu le patron? On applique le plan B. On finit ce qu'on a commencé et on se regroupe au Calsèche. C'est pas compliqué. Ça te pose un problème? La chose où je suis quand même assez assez curieux, c'est de savoir si jamais je peux débarrasser-vous des ennemis dans... Ah, merde. Ah, là est le... Là est justement... Là était le propos de ma question. À savoir, eh ben, je me demandais si jamais on pouvait... Si on pouvait réaliser les missions sans nécessairement buter tout le monde, ça aurait été pas mal. Ah d'accord. Eh ben waouh, c'est très spécial encore une fois. Il me faudra du temps. À mon avis, il me faut un temps d'adaptation. Il me faut un temps d'adaptation, par contre putain, on meurt quasiment pas d'ailleurs. Hein. J'ai l'impression qu'on est invincible. Toutes les balles que je me suis prises depuis le début. Mais tu vas crever, oui. Au moins. Où sont les autres? Putain, mais je lui ai mis un headshot quoi. Oh. Mais oh. Mais encore une fois. Mais putain. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Putain, c'est très le resisting, hein. Tu vas pas me dire que je vais être obligé de mettre 150 headshots dans un bonnet, encore une fois, pour pouvoir les tuer, hein. Bon, tu vas me dire, ils ont des casques. Au moins, ils ont des casques, c'est un petit peu plus logique qu'une capuche. Oh, on peut sauter. Tain. Le son est très bizarre. Bon, je chipote un peu. The fuck. Ouais. Il va vraiment falloir que j'apprenne toutes ces conneries. J'ai arrêté d'étudier. Ah, il va venir me chercher. What the fuck? Mais... Oh, bouh! Bouh! Ça, c'est pas bon, ça!
I'm not agree with this, hein. Là, celui-là, on va essayer de le buter avec le pouvoir, tiens. Aïe, aïe. Ce fut un échec total. Voilà, je vous demanderai de bien vouloir vous abstenir de réagir à cette bouse qui vient d'arriver. Ah, enfin bon. Je dois aller à la bibliothèque. Ouais, je dois aller à la bibliothèque. Le mec est stoïque, hein, quand même, hein. Jack, pour l'instant... Il a l'air vraiment vraiment tranquille, tu vois, tu le sens pas stressé, tout va bien. Bon, y a pas de temps. On va aller à la bibliothèque. Je vais retrouver Will. Oui, là-bas. Là-bas. On ne peut pas courir apparemment. Par ici, donc allons-y. Où est-ce que vous m'amenez ici ? C'est une bibliothèque. J'ai des livres à rendre, du con. QG, William Joyce est dans la bibliothèque. J'attends vos ordres. Terminé. Will. Ils l'ont emmené à la bibliothèque. Je dois y accéder et le retrouver en vitesse. Oui, monsieur. Bah, allons-y, écoute. Hein. Je vais vous laisser un petit peu avec... je vais vous laisser un petit peu avec le gameplay. Au final, on va rester... On va s'arrêter là, je vais arrêter de commenter. Parce que j'ai l'impression que je perds quand même pas mal de choses en faisant une vidéo comme ça. Mais bon. Bon, au moins, vous avez la première heure... La première heure de la découverte de Quantum Break. Et bah, écoutez, ça m'a l'air sympa. Ça m'a l'air vraiment, vraiment sympa. Pour l'instant, le plot est intéressant. J'espère que ça va pouvoir... me happer tout autant que Alan Wake. Et le gameplay a l'air bien plus intéressant que Alan Wake. Donc, pour l'instant, du très bon. Voilà. La première impression, c'est que c'est vraiment bon, pour le moment. J'espère que tout cela va continuer et ne jamais s'arrêter. En attendant, sur ce, je vous dis ciao à tous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était 69 Zelos, et bonne partie tout le monde, ciao bye bye. Je dois entrer dans cette bibliothèque. D'où ça venait, ça ? Je dirais que je suis pas le seul à leur en vouloir. Je dois pouvoir monter par là. Allez, j'ai pas que ça à faire. Je dois trouver un moyen de le ralentir. William Joyce est dans la bibliothèque. On attend vos ordres. Il en est. Je me demande où est son frère. Gardez quelques-uns, mais attendez l'arrivée de numéro 1 Monarque. Le reste des forces doit se rendre dans la zone de collecte des chronons au Calsèche. Ennemi repéré ! Une fois là-bas, attendez. On va faire sauter la bibliothèque.
Jack, cours! Tu vas bien. J'ai tout un tas de nouveaux super pouvoirs qu'il va falloir que tu m'expliques. Commence d'abord par... On doit faire vite. Où est ma voiture? La couleur me plaisait pas. On va en prendre une autre. Quoi? Non, Jack. J'ai besoin de la... Ah! On peut attendre. Ah! Ma mallette était dans la voiture. Je t'en rachèterai une. C'est une mallette, merde! Une mallette qui contient une chose dont j'ai besoin pour arrêter la fracture! Et t'as pas pensé à me le dire plus tôt? Désolé, j'étais un peu en train de me faire kidnapper! Ouais, bah je peux encore te laisser ici, hein! Mais comment t'arrives à rester en vie? Ça fait partie des trucs bizarres que tu dois m'expliquer! T'as une idée de comment on fait pour manipuler le temps? Non! Alors dépêche-toi d'en trouver une! Pourquoi ils continuent de tirer? Ils ont dit qu'ils voulaient nous capturer tout ça! S'approchez pas! Je crois qu'ils ont changé d'avis! C'est juste là! Ils sont tous morts? Ouais, je crois. On doit récupérer ma mallette. Ensuite, il faudra trouver Bess Wilder. Pourquoi? C'est qui? Elle sait des choses sur la fracture. Je lui fais confiance. Il y a au moins une personne à qui tu faisais confiance? C'est pas aussi simple que ça, Jack. Si je t'ai caché la vérité, c'est pour te protéger. Me protéger? Regarde autour de toi, Will. Tu te sens protégé, là? C'est pas ma faute. Bess m'avait prévenu que ça arriverait. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'empêcher. Mais tu m'as jamais rien dit de tout ça! Rien du tout! Je pouvais pas... T'es au courant depuis combien de temps? C'est pas le moment de parler de ça, Jack. On doit récupérer cette mallette. Faut qu'on bouge, avant qu'il en arrive d'autres.
Jack! Paul? Jack, faut y aller. Attends. Désolé, Jack. Non! Paul, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu fais? Seulement ce qui est nécessaire. Réfléchis, tu n'imagines pas l'enjeu. Je sais exactement ce qui est en jeu, c'est pour ça que je suis là. Je te donne une dernière chance de changer d'avis. Ces événements sont inscrits, on ne peut pas les changer. Le passé, le futur. J'ai tout vu. Je l'ai vécu. Pendant 17 ans. 17 ans. C'était toi. La première expérience. Viens avec moi et on pourra continuer ensemble. Ou cramponne-toi à ton rêve. Et brûle avec lui. Écoute, j'ai créé une machine. Je peux tout arrêter, crois-moi. Non, tu ne peux pas. C'est de la folie. On ne perd rien à essayer. Au contraire. Et c'est pour ça que je ne peux pas te laisser agir contre moi. Mais on n'est pas obligé d'en arriver là. On doit agir. J'abandonnerai pas. J'ai mis des années à accepter ce qu'il fallait faire. Mais là, on n'a plus le temps. Non, non, attends. Allez-y. Je n'ai jamais voulu ça. Non ! Tu n'iras nulle part.